Pour jouer, il faut des buzzers allumés. Donc on allume ceux d'Alain, de Rénal, de Christine, de Jean-Philippe. Et comme je le disais en début d'émission, j'espère que vous êtes prêts aussi à la maison. Allez, on commence doucement. Dans quel jeu de société créé en 1933, Jean-Philippe ? Le Monopoly. C'est le Monopoly qui a été créé en 1933. En pleine crise aux États-Unis. Le Monopoly s'est créé aux États-Unis en pleine crise, hein, la crise de 1929. Peut-on acheter des hôtels ou aller en prison ? Monopoly. Pour deux points en gastronomie, comment appelle-t-on un jambon cuit dans un bouillon et enroulé, Jean-Philippe ? Le jambon braisé ? Non, enroulé, Christine ? Au torchon ? Dans un linge au torchon. Exactement. Deux points. Donc, première question à trois points, c'est logique, un, deux, trois. Sur quel haut plateau du Limousin, la Vienne, Alain ? L'Arzac ? Non. La Vienne, la Creuse, Rénald ? L'Aubrac ? Non. Et la Christine ? Mille Vaches ? Le plateau oui, le plateau de Mille Vaches. Trois. Christine, on est déjà à cinq. Et la Vézère prennent-elles leur source ? Donc on avait la Creuse, la Corrèze, la Vézère. Et c'est bien sur le plateau de Mille Vaches. Christine, bravo. Allez, on continue. En médecine, quelle lésion résultant du déplacement des deux extrémités osseuses d'une articulation peut... Christine, encore. Une fracture ? Non. Toucher l'épaule. Et oui. Une luxation. Ouais, exact. Jean-Philippe, luxation, hein, de l'épaule. Voilà. Déplacement des deux extrémités osseuses, hop, puis pour remettre, comme ça on appuie, ça fait très mal. Luxation, déboîtement, oui, un point de plus. Un peu de musique. En 92, quel groupe rencontre le succès avec l'autre Finistère, Jean-Philippe ? Les Innocents. Ah oui, c'est ça, l'autre Finistère. Extrait de l'album Fou Allié. Pourtant, on avait un Breton là avec nous, Alain, l'autre Finistère. Ça vous parlait, l'autre Finistère des Innocents ? Non ? Bah, tenez, un extrait. Je pense qu'Alain, ça vous parle. La belle chanson des Innocents, Jean-Philippe, exactement. Et attention, voici une question à trois points. Ici, à quel poète d'origine belge doit-on le recueil intitulé La nuit remue ? C'est un poète. Alain ? Carême ? Non. D'origine belge, on lui doit La nuit remue. C'est un joli titre, d'ailleurs. La nuit remue, c'est... Est-ce que quelqu'un l'a ce soir ? Henri de son prénom. Henri... Van der Mer. Non. Michaud. Le poète que nous cherchons, Henri Michaud. À Pékin, quel ancien palais impérial ? Rénal. La cité interdite ? Oui. Abrite notamment le palais de l'harmonie suprême, au mur rouge, aux tuiles jaunes, vernissées. C'est la cité interdite, oui. Quel chien ? Chien de garde, originaire de Bavière, voisin du dog allemand et... Jean-Philippe. Le berger allemand. Et du bulldog et pourvu, Rénal. Le Doberman. D'une... Alain. Le danois. D'une tête carrée et d'un museau puissant... Ouais. Christine. Le mastiff ? Non. Ça commence par un B, j'ai entendu bulldog, mais c'est pas ça. Le mastiff ? Le posteron. Et le monsieur qui me donne le boxer, bonne réponse. Monsieur, faut venir jouer. Ouais ? Le boxer. Chien de garde, mais chien hyper affectueux aussi, hein, le boxer avec les enfants notamment. C'est très gentil, boxer. Le 27 juin, histoire. 1894, quel homme politique succède à Sadi Carnot à la présidence de la... Rénal. Adolphe Thiers ? Non, à la présidence de la République française. C'est pas Thiers, c'est Christine. Grévy, non. C'est non, pas Grévy. Alain. Casimir Perrier. Oh, joli. Ouais. Jean Casimir Perrier. Trois points, Alain. Trois points, ça y est. Alain est lancé avec trois points. Jean Casimir Perrier, bravo. Quel miroir intérieur ou extérieur d'une automobile ? Jean-Philippe. Le rétroviseur. A été le plus rapide, vous l'aviez tous les quatre. Rétroviseur. Permet au conducteur de voir derrière lui sans se retourner. Le rétroviseur. Ah, ça c'est bien. On écoute et je vous pose une question derrière. Et là, à la maison, vous dites, ouais,
j'ai reconnu Oasis, super, mais c'était pas la question. Oasis, Wonderwall, les frères Gallagher, tout ça c'est bon. Chanson qui tire son titre de l'album solo de George Harrison, Wonderwall Music, paru en 68. Voici la question. En 2019, l'an dernier, pour fêter le titre de champion d'Angleterre de quelle équipe de foot dont il est fan, Noël Gallagher Alain ? Tottenham ? Non. A-t-il chanté Reynald ? Arsenal ? Non. Ce tube, Jean-Philippe ? Manchester City ? Oui. Eh oui. Noël Gallagher, il est fan de Manchester City, champion d'Angleterre en 2019. C'est ça qui vous a donné la bonne réponse, c'était le... Oui. C'était... Et il a chanté donc ce tube dont il est l'auteur avec son frère. Bon, ils ne se parlent plus tous les deux, hein. Les frères Gallagher, ils sont un peu fâchés. Manchester City, bravo. Jean-Philippe, encore deux points et vous irez en deuxième manche. Dans l'Évangile, quel nom a-t-on donné aux huit vertus que Jésus-Christ glorifie Alain ? Cardinal. Dans le sermon sur la montagne. Pas cardinal. Les béatitudes. Eh oui, ce sont les béatitudes. Trois points, Jean-Philippe, bravo. Vous êtes en deuxième manche, Jean-Philippe. Bravo, Jean-Philippe. Notre champion en deuxième manche pour défendre ses couleurs. Christine, 5. Alain, 3. Reynald, 1. Deux places encore à prendre. Donc, les béatitudes, les huit béatitudes, c'était ça. Et maintenant, on cherche ce port de la Méditerranée. Chef-lieu du département du Var. Reynald, Toulon. A été le plus rapide. Oui. Deux points de plus, ça y est, deux points de plus. Abrite dans sa rade une base navale de la Marine nationale, disait la fin de la question, la fameuse rade de Toulon. En médecine, quelle méthode thérapeutique est destinée à diminuer la sensibilité allergique à la désensibilisation. Exactement, désensibilisation. Un sujet, quand on est allergique, on peut tenter ça. Deux points de plus. Score serré, bravo. Par quel mot d'origine caucasienne désigne-t-on le lait de vache fermenté d'un goût ? Christine. Kéfir. Oh oui, kéfir. D'un goût aigrelé, plus ou moins mousseux. Quelqu'un a goûté déjà le kéfir ? Kéfir. C'est bon là ou pas ? C'est pas... Non. Non. Donc deux orthographes possibles, K-E-P-H-I-R ou K-E-F-I-R. Voilà. Dans les deux cas, Alain nous dira c'est pas meilleur. Hein, voilà. On continue. 5, 3, 7. Comment appelle-t-on le fait pour un monarque de renoncer à la couronne ? Christine. Abdication. Oui, Christine. 2, 9. Christine, deuxième qualifiée. Le fait d'abdiquer. Abdication. Reynald, Alain, une place encore. Alain mène de 2 points. On y va. Quel terminal mis en service dans les années 80 par France Télécom permet... Reynald. Le Minitel. Le Minitel. Vous vous souvenez du Minitel ? Le truc qui mettait une demi-heure pour afficher une page, là. Permettait d'accéder à l'annuaire électronique et au service Télétel. N'empêche qu'à l'époque, c'était quand même sacrément révolutionnaire. Attention Alain, au retour de Reynald, qui vient de passer en tête. À quel rituel utile d'un point de vue hygiénique et appelé grooming en anglais, le chimpanzé, s'adonne-t-il ? Reynald a pris la main. L'épouillage. Redites ? L'épouillage. Excellent. Épouillage, Reynald. Et en deuxième manche. Alain, dommage. Vous étiez bien dans le jeu et hop, Reynald est revenu très très fort. C'est très bien. Bon, vous avez passé un bon moment quand même ? Oui. Bon. Alain, bon retour à Tintignac. Oui. Belle région que je connais un peu et que j'aime bien. Et puis revenez, qu'est-ce que vous en pensez ? On va pas s'arrêter là. Hein ? On peut revenir au moins tous les deux ans ici. D'accord. Alain, je vous attends, je vous donne rendez-vous. Et bon retour à Tintignac. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150€ sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement. Retrouvez tous les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec tous ces endroits qui la racontent et tous ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. Le 4 à la suite, dans un instant, on va découvrir les thèmes ensemble. Mais d'abord, j'ai une petite question sympa pour vous faire gagner une voiture et 5 000€ avec cette danse. Quelle danse d'origine américaine était à la mode dans les années 60 ? 1. La valse. 2. Le twist d'origine américaine. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7-10-20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Reynald, à Christine, à notre champion Jean-Philippe. C'est parti pour le 4 à la suite.